données, elles sont en fait le reflet d'une action qui doit aussi se poursuivre et s'étendre tout au long de l'année. Les journées qui s'ouvrent, comme chaque année, vont mêler expositions, spectacles, rencontres, hommages, projections cinématographiques, qui sont autant d'occasions d'échanges, de réflexion et de partage. On y découvre aussi, en parcourant le monde et l'histoire, qu'il n'y a ni prédestination, ni fatalisme, que ce n'est pas la loi de la nature, contrairement à ce qu'écrit Confucius, pour que la femme soit placée en condition inférieure. On constate aussi que trop souvent, pouvoir et religion, et a fortiori lorsque les deux sont mêlés, jouent un rôle néfaste au détriment de la place des femmes. On constate aussi que quelques années après que Olympe de Gouges ait rédigé la Déclaration des droits de la femme et des citoyennes, le Code civil, donc quelques années après établi par Napoléon, établit l'incapacité civile de la femme. Des violences qui sont faites aux femmes, violences d'ailleurs de toute nature, harcèlement, violences psychologiques et violences physiques, la face sombre des relations entre les femmes et les hommes. Et enfin, la quatrième approche nous conduit sur le chemin de l'égalité des droits entre les femmes et les hommes, un long chemin qui reste encore à parcourir, mais qui s'appuie sur une aspiration, celle donc de l'égalité des droits entre les femmes et les hommes, et qui s'appuie aussi, et qui doit s'appuyer par un travail sur l'éducatif, qui est un travail au quotidien. Gentil, merci. Elles sont belles. Comment vous appelez-vous ? Je suis l'empereur de cette planète. L'empereur ? Oui. Une planète ? Oui. Quelle planète ? Je ne sais pas comment je suis arrivée là. Ça commence par un V. Varsovie ? Non, pas exactement. Voici mes soldats. Nous sommes tous égaux, 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 nous sommes tous égaux. Pareil, de la même taille, de la même tête. Oui, j'ai... S'il vous plaît, taxi. Bonjour, Charles de Gaulle, le terminal C, s'il vous plaît. Ça veut dire aussi je fume ? Bah, ça me dérange un peu, mais bon. J'ai pas entendu. Où est-ce qu'on emmène le petit monsieur ? Vite, rue Monsieur le Prince, tout de suite ! Rue Monsieur, dis donc, vous travaillez pas dans la mode, vous, par hasard ? Comment vous le savez ? Moi aussi ? Bah oui, mais ça se voit pas. Regardez-moi ça. C'est ma journée. Regardez-moi ça, c'est horrible. Je sors de chez mon coiffeur, et il m'a fait une coiffure, mais alors, affreuse ! Franchement, vous en pensez quoi ? Allez, dites-moi, votre avis totalement objectif, vous en pensez quoi, monsieur ? Bah, ça me fait penser au Pékinois de ma voisine. Ah, voyez ! C'est exactement ça. Peut-être que nous pourrions... Restez là et les affronter. Qu'est-ce que tu racontes ? Pas du tout ! Cours le plus vite possible, mais au ralenti quand même ! Rends plein les suffragettes préférées. 10 minutes. Restez à couvert ! Restez à couvert ! Ici, ils m'ont tué. Donc il avait eu des prises de sang, il avait eu des prises de sang.
je pense que de fêter les droits de la femme, c'est un peu une concrétisation de notre combat à nous, les anciennes. On voit qu'on est arrivé à faire certaines choses avec les femmes, que les droits que les femmes y ont maintenant, qu'elles n'avaient pas dans le temps. Il y a encore beaucoup de travail quand même à faire, mais il y a quelque chose qu'il faudrait vraiment, vraiment, vraiment mettre à l'ordre du jour. C'est l'égalité des salaires dans les entreprises pour les femmes. Je pense qu'elles ont envie de se battre. Mais il ne faut surtout, surtout pas qu'elles abandonnent, parce que si on les lâche un petit peu, c'est foutu. Hein, elles vont perdre tout ce qu'on a acquis, et ça, non, il ne faut pas. Mais je pense que dans la jeunesse actuelle, il y a des battantes. Les jeunes femmes, à l'heure actuelle, ont beaucoup plus d'instructions que nous, on a eu, déjà. Elles connaissent, elles évoluent. Le monde est plus ouvert. Donc, automatiquement, on ne peut pas régresser. Et puis, on ne va pas les laisser régresser. Il y en a qui disent ben, « ça ne sert à rien ce qu'on fait ». Mais si, nous aussi on disait ça quand on était jeunes, ça ne sert à rien. Et le peu que chacune fait, le pas que chacune fait, c'est une grande enjambée pour celles qui viendront dans 10 ou 20 ans. Dans la publicité, on se sert des corps des femmes. Bien sûr, mais qu'est-ce qu'il y a de plus beau qu'un corps de femme déjà ? Et puis de plus en plus, on commence à se servir de corps des hommes, ce qui n'est pas déplaisant. Hein? Mais cette publicité-là, quand elle est bien faite, qu'elle est jolie, moi ça ne me gêne pas. Alors moi, ce que je changerais pour le droit des femmes, c'est l'égalité au niveau du congé maternité, par exemple, qui est pris en compte dans le travail. Et du coup, bah, pour les primes, etc., ça nous les fait perdre. Donc, c'est pas normal. La plus grande cause qu'il faut qu'on se batte vraiment, c'est la violence sur les femmes, de tous les jours. Les femmes, si elles subissent des violences, qu'elles aient accès tout de suite peut-être à un logement pour qu'elles puissent partir du foyer. Enfin, je pense que ça, c'est une grande priorité, accès à un logement, qu'elles puissent être libres, entre guillemets, mais beaucoup plus sereines pour elles si elles ont envie de quitter le foyer où il y a la violence, pour pouvoir protéger aussi les enfants. Bah pour moi, c'est une journée où on doit, nous les femmes, se rappeler qu'on doit s'entraider pour avoir des droits et les mêmes droits que tout le monde. Au-delà des femmes, je pense que surtout une journée pour rappeler à tout le monde d'où on vient, où on en est aujourd'hui, où est-ce qu'il faut qu'on aille pour qu'on soit tous au même niveau, autant ensemble, hommes que femmes, et que la parole des femmes soit entendue par tous. Et il y a aussi les violences, par exemple une violence conjugale, et en fait la femme reste parce qu'elle n'a pas le soutien des autres femmes de sa famille, par exemple. Et souvent, c'est un soutien qui ne vient pas des femmes qui n'entendent pas, en fait, mais qui ne comprennent pas. Je sais pas si... Elles sont écoutées, mais il n'y a pas de suite. Il n'y a pas d'entraide, il n'y a pas y a rien qui bouge, en fait. Avant, on était femmes parce qu'on était mariées. Maintenant, on est femmes parce que parce que t'es femme, en fait. Parce que t'es mère, t'es une copine, t'es une amie, t'es une entrepreneur, t'es plein de choses à la fois. Et même avant le mariage, c'était un peu obligatoire, tu vois. C'est ça. Alors que maintenant, même pour femme ou homme, tu peux être avec un couple sans te marier toute ta vie. Mm. Bonjour tout le monde. Merci beaucoup d'accepter l'invitation de l'association Leaderib. C'est un grand honneur de vous voir parmi nous. Comme chaque année, et depuis 10 ans, l'association Leaderib célèbre les journées internationales des droits des femmes. Pendant des années, à Dreux et à Vernouillet, j'ai fait des belles rencontres avec des femmes et des hommes de valeur. J'ai appris beaucoup d'elles et d'eux. Pour cela, aujourd'hui, j'ai choisi d'être femme afin de leur rendre hommage. Malheureusement, je suis sûre de n'avoir oublié d'autres et je m'en excuse. Je dis à ces femmes, merci. Merci pour tout le temps où vous avez laissé vos hommes, vos familles, vos occupations quotidiennes, pour rendre service à autrui. En mon nom et au nom d'une association Leaderib qui fête aussi ses 10 ans cette année, je vous salue et je vous dis continuons dans ce chemin estimable.
Et je termine par, avec une citation de grand poème arabe Mahmoud Derwish. Sur cette terre, il y a ce qui vaille la peine qu'on vive. Je laisse la parole à Monsieur le maire. Cette rencontre de cet après-midi s'inscrit parfaitement dans les journées dédiées aux droits des femmes à Vernouillet. Et je voudrais encore une fois remercier Aïcha, mais aussi toute son équipe, pour l'occasion qui est donnée de rendre un hommage tout simple à les concitoyennes de Vernouillet, mais de notre agglomération, pour l'engagement qui a été le leur, que ce soit sur du champ professionnel, sur du champ associatif, bénévoles, de la culture, de la formation. Toutes celles qui se sont engagées à partager et à rassembler les unes et les autres, les uns et les autres, puissent être mis à l'honneur cet après-midi. Après, j'ai eu la chance de devenir prof. En étant prof, j'ai considéré que, puisque j'avais eu la chance de m'en sortir grâce à l'école laïque publique et républicaine, qu'il fallait que je redonne aux autres ce qu'elle m'avait donné. Et puis, chemin faisant, voilà, bon, là où je suis. J'hésite toujours entre le bénévolat et le militantisme. Parce que moi, je me sens beaucoup plus militante que bénévole. Je ne sais pas comment on doit faire. Pour moi, le bénévolat, c'est effectivement apporter de l'aide. Le militantisme, c'est vraiment être en action pour changer les choses. Et moi, je me sens vraiment militante. Il y a trois mots, moi, je crois qu'on régit ma vie de militante. Je peux dire ma vie, parce qu'il y a un certain nombre d'années, comme certaines d'entre nous. Ce n'est pas un symbole de jeunesse. Mais moi, il y a trois mots, l'injustice, le sexisme, le racisme. Pourquoi voiler ma chevelure ? Pourquoi me travestir pour te combattre ? Je suis femme et jamais je ne prendrai par ruse la voie de l'effacement. Que tu protestes ou que tu cries, j'ai dit ce que j'avais à dire. Seule la voix reste. Mais moi, je ne serai pas toujours là. Malgré la vieillesse, la maladie, je veux chevaucher. Même si je ne peux plus monter à cheval. Et aujourd'hui, on célèbre la femme. Je suis toujours assez mitigée, moi, pour cette célébration. Quelquefois, je la regrette parce que je me dis, ça veut encore dire qu'il faut qu'on se batte pour nos droits. Et ça, c'est quelque chose qui me gêne profondément. L'égalité femmes-hommes. On ne devrait même pas finalement célébrer cette journée. Je crois que chacun doit se dire que les violences sexistes, les violences sexuelles, les discriminations, le harcèlement, le féminicide, tout ça, c'est juste pas normal. C'est inacceptable que les femmes aujourd'hui puissent subir ça, qu'il faut parler, briser le silence. Et que les associations aujourd'hui, elles sont là pour écouter, elles sont là pour accompagner et elles sont là pour orienter. Moi, j'ai envie de dire qu'aujourd'hui, les femmes qui travaillent
et qui se lèvent tôt, qui font du ménage et qui font des boulots très très durs pour pouvoir nourrir leurs enfants, c'est des héroïnes. On est mis à l'honneur, mais finalement, je le dis avec beaucoup d'humilité, et c'est elles pour qui on se lève tous les matins en se disant qu'il faut les aider. Et voilà, c'est... Et donc moi, je voudrais simplement dire que j'ai eu la chance aussi de croiser des hommes dans ce métier qui est très masculin et qui m'ont quand même permis de mettre ma plume au service de ces minorités et au service des femmes et qui ont accepté des femmes à leur côté et de les aider. Et que ce combat pour les femmes, il ne se fera pas sans les hommes. Dans ce livre, je raconte... l'histoire. Donc c'est un travail quand même d'un an d'investigation parce que on a beaucoup parlé des féminicides, mais parfois c'est pas forcément des féminicides. Parfois il y a des féminicides qui n'ont pas été répertoriés. Et donc j'ai fait ce travail d'investigation sur toute l'année 2019 où j'ai repris toutes les femmes qui sont mortes tuées par leurs compagnons ou par leur ex et je raconte leur histoire. C'est une manière pour moi déjà de leur rendre hommage. Mon combat pour les droits des femmes a commencé dès mon très jeune âge. J'ai toujours là, je suis là pour dire que l'être humain, avant d'être femme ou homme, c'est un être humain à part entière et que l'humanité passe avant tout. Pourquoi l'association Les Deux Rives organise des manifestations depuis plusieurs années. Depuis sa naissance, en 2010, on a toujours organisé des colloques pour les droits humains. Quand on est un être humain, on est au-delà des appartenances religieuses, culturelles ou autres. On est vraiment pour l'humain. Moi, je suis pour l'ouverture des frontières partout. Moi, je suis pour incarner vraiment une diversité, un droit de justice, un droit à la parole, un droit que l'homme et les femmes sont égaux et qu'on va vers l'avenir. Parce que le jour où on va régler vraiment notre problème avec les femmes, je pense qu'il n'y aura plus de guerre dans le monde. Ça me fait mal parce qu'il y a quand même une régression de la situation des femmes. Dans toutes les cultures, moi je ne vais pas, je vais pas dire dans une culture ou autre, dans toute culture il y a parfois où il n'y a plus de respect dans le couple. Et puis il y a cette situation de femme que la femme pour la maison, ferme ta bouche, t'as pas le droit d'eux. Je pense qu'il faut absolument qu'on sort de cette situation en femme et qu'on dit être humain. On en est aussi, on n'arrive pas à dire on est des êtres humains avant d'être femme. Là, on est mal. Il faut que les hommes sachent que la maman, la tante, la sœur, c'est pareil que la femme. C'est une femme. Moi, je pense que les gens, ils font qu'à regarder leur nombril pour qu'ils savent d'où ils sont venus. Alors quand on va dire ma maman, c'est une femme, ma maman m'a donné la vie, ma maman, c'est une grande femme. Alors on peut dire ma femme aussi, ma copine, la voisine. Toutes les femmes, comme nous, on respecte tous les hommes de l'univers. Il faut que les hommes ils nous respectent, ils nous considèrent autant qu'êtres humains. On arrête un petit peu ce tabassage. Moi, ça me fait très mal au cœur quand je vois ces problématiques de féminicide. Des femmes qui sont mortes en 2020, elles sont mortes par de coups de leur mari. Mais c'est affreux. On est quand même là, moi, je suis sidérée quand j'entends ça. Thank you.
voit des femmes qui ont des statuts honorables dans la société, des femmes qui sont ingénieures, des femmes qui sont dans la sphère politique, des députées, des femmes entrepreneurs. On voit encore beaucoup de femmes entrepreneurs et c'est un honneur. Malheureusement, on voit d'un autre côté qu'il y a quand même des femmes qui sont considérées comme des choses et ça, il faut arrêter avec ça. Il faut arrêter avec ces discriminations. Et l'éducation, et c'est dans notre éducation, il faut qu'on arrête de dire « Ah oui, mais toi, tu es une femme, tu restes hors de ça. » Non. Après, qu'est-ce qui se passe au sein de la société? Parce que moi, je reviens aussi, je ne vais pas mettre tout ça sur l'éducation. Je peux mettre ça sur tout ce qui se passe à la télé, les médias, tout ce qu'on peut renvoyer une femme. Moi, si on me montre, quand je fais une publicité yaourt, une femme nue, avec une belle silhouette, je suis désolée, ça me touche. Moi, j'ai que des garçons. Je veux bien que mes garçons réussissent, mais moi, ce que j'ai dit toujours à mes garçons, je ne veux pas que quand vous aurez des femmes et que quand vous aurez des compagnes ou des sœurs, et il faut les respecter, il faut vraiment qu'ils soient pareils que vous. Moi, je fais mon éducation, mais il y a la société aussi qui fait son éducation. Depuis l'âge de 15 ans, je me suis battue pour une diversité culturelle, une justice sociale, une justice écologique, et je pense que jusqu'à ma mort, je resterai debout. Ma mère, analphabète au début, mais c'est une femme qui nous a toujours poussé vers l'instruction. Il fallait qu'on soit des bonnes étudiantes. J'étais en CM2, je commençais à lui réciter, il me l'a fait refaire 3 fois ou 4 fois, il m'a dit non, t'as pas encore appris. Et moi, je ne savais pas qu'il ne savait pas lire. Et là, il m'a dit non, t'as oublié ça et ça, que par mémoire. Et il a appris à écrire et à lire plus tard, quand on a, à la CG, j'étais à l'association de chantier de jeunesse, et on a instauré une classe pour les femmes, pour l'alphabétisation. Ma mère était parmi ces femmes-là. Maintenant, ma mère, elle lit le Coran toute seule. Vraiment, je suis fière d'être une femme. Je suis fière que mes parents m'ont mis au monde autant qu'une femme, parce qu'une femme a le cœur pour accepter tout, mais dans un côté, on n'est pas cette chance-là, parce qu'il y a des femmes battues, il y a des femmes, ça, il faut qu'on mette sous notre pied pour dire non. Il faut que l'État dise non à cette agression. Un homme qui considère une femme comme un objet, vraiment n'a pas un homme, parce que c'est une femme qui l'a mis au monde. Parce qu'une mère, jamais une mère va dire que ce n'est pas mon enfant. Elle a porté 9 mois. Elle dit jamais que ce n'est pas mon enfant. Il y a des hommes qui croient que parce qu'ils sont plus forts que les femmes, dès une petite provocation, ça part. Mais non, ça, ce n'est pas la vie, ça. C'est ça, elle essaye de parler à l'homme pour lui dire, écoute, la vie, la gauche lave la droite lave la gauche. Comme ça, si je dis la gauche, la droite, je parle de la main, c'est pas en politique, quoi. Non, c'est pas en politique. Mais elle essaie de tout faire pour que ça se calme dans le foyer. Avant qu'un homme réussisse dans la vie, il y a une femme derrière. C'est ça, autant que mère, nous les femmes, on est la mère, la tante, la sœur, la grand-sœur, la petite sœur, on est tout en global, mais on n'est pas des objets. Tu crois que ça va arriver? Thank you.
Allez-y les garçons. Allez-y, prenez place. Bonjour à tous, merci d'être là encore aujourd'hui. Je dis encore parce que les lycées sur l'agglomération de Dreux sont présents assez souvent maintenant sur nos manifestations, on les en remercie. Mais on voulait s'adresser à vous aujourd'hui parce que vous êtes demain, hein, vous êtes des adultes demain et puis c'est important qu'on prenne le relais les uns les autres. Donc on compte sur vous, c'est important. On nous a demandé de venir vous parler d'égalité. Alors on a été un peu surpris d'être obligé de venir vous parler d'égalité parce que, je ne sais pas, vous, on a l'impression que vous êtes les premiers à être pour le respect, pour la mixité, pour la tolérance, non ? Je ne sais pas, les premiers à vous révolter contre toutes les formes de discrimination et le racisme en premier lieu. Et là, non, là, on doit venir vous sensibiliser à l'égalité entre les hommes et les femmes. Alors, pourquoi est-ce que l'égalité entre les hommes et les femmes n'est pas quelque chose d'inné ? Pourquoi est-ce qu'on doit en parler encore aujourd'hui ? Eh bien, parce que les inégalités sont plus discrètes, plus perfides. En fait, elles sont là au quotidien. On est entouré d'inégalités tous les jours et on s'en rend même pas compte. Un homme, ne pleure pas, lui dit-on. Avant de venir ce matin, il y a un petit garçon qui est tombé devant moi et il s'est mis à pleurer. Et son père lui a dit « On ne pleure pas, on ne pleure pas !» Et tu sais pourquoi on ne pleure pas ? Et le petit garçon lui a dit « Parce que je ne suis pas une fille !» Un certain professeur X a déclaré ceci. Les femmes sont intellectuellement, moralement et physiquement inférieures aux hommes. Oui, attendez, parce qu'un autre a dit ceci. Lorsque les enfants cesseront d'être désirés, les femmes cesseront en même temps d'être nécessaires. Je dis à un moment donné que dès la naissance, on n'est pas égaux. Que les petites filles, on ne les élève pas de la manière que les petits garçons. Donc effectivement, il y a des sanctions qui sont possibles pour les viols, pour le harcèlement, pour les inégalités salariales. On peut mettre un panel de lois en place, des amendes, et tout ce qu'on veut. Mais ce que nous disent ces deux grandes auteurs féministes, ça va plus loin en fait, c'est pas que de la sanction, c'est comment est-ce qu'on éduque nos enfants. Si les gens sont comme ça, c'est parce que depuis leur naissance, ils ont vu ça, ils trouvent ça normal en fait. Comme de battre des femmes, de violer, d'attoucher, de dire aux femmes que c'est de la merde en fait, clairement. Donc en fait, ça change parce que les parents, la société d'aujourd'hui, faut que tout le monde change en fait. Faut qu'il y ait des sanctions, c'est pas normal en fait. Parce que les femmes sont complètement égales ou égaux aux hommes en fait. Quand on voit des inégalités, c'est ce que je disais au début, les inégalités discrètes qui se faufilent dans notre quotidien, quand vous les voyez, il faut toujours en parler, toujours le dire. C'est très important et c'est comme ça qu'après, justement, les mentalités vont changer parce que tout le monde va commencer à en parler et que ce soit plus banal. Ce n'est pas banal de siffler une fille dans la rue. Ce n'est pas banal de toucher son élève ou de toucher une fille parce qu'on l'aime, parce qu'on la trouve jolie alors qu'elle ne l'a pas demandé. Donc les inégalités ne sont pas banales et c'est grave. Et ça, il faut qu'on le dise toujours autour de nous, tous les jours, pour que ça rentre dans les consciences. Maman, va laver ton petit museau. Chut, ne pleure pas, sinon tu vas réveiller papa. Il a de la chance, lui. Il peut dormir encore une petite demi-heure. Après, il bondira comme Tarzan. Oh, courir, prendre le trap, le train, le petit lien. C'est moi, toujours moi. Et pourtant je travaille moi aussi. Ouais, mais j'ai lavé mes chaussettes une fois. Combien de fois as-tu lavé mes bas? Je veux pouvoir parler avec toi. Je veux vivre avec toi et non habiter avec toi. Penses-tu quelquefois que je peux avoir des problèmes, moi aussi ?
Je veux bien que tes problèmes soient les miens. Mais je voudrais aussi que mes problèmes soient les tiens. Et ne pas toujours être seule avec tes problèmes, en plus des miens. Je veux pouvoir parler avec toi, mais quand tu rentres le soir, tu te flanques au lit. Le soir, c'est la télévision. Et le dimanche, le match. Tu peux rien comprendre au sport. Ce n'était pas précisément ce qu'il fallait répondre. J'ai vu rouge. Ah, je criais comme une folle. J'ai tout sorti. Je criais. Si c'est ça le mariage, ça veut dire que j'ai commis une erreur. J'ai pris mon erreur dans les bras et je suis partie. Voilà, et l'homme ne fait rien. Entre parenthèses, bah, la société bah, a mis en fait un concept dans leur tête que voilà, c'est les femmes qui doivent s'occuper des enfants, qui doivent faire à manger, qui doivent faire de la vaisselle. Mais les hommes, ils font rien. Mais au travail, en fait, la femme, il fait son travail en fait de la même manière que l'homme. Mais la femme, on peut dire que la femme elle est plus épuisée que l'homme. Parce que l'homme à la maison, il fait rien. C'est exactement ce qui est dit voilà, dans la pièce, c'est qu'après une bonne journée fatigante au bureau, lui, il rentre les pieds sous la table, fatigué, et elle a toute la nouvelle journée qui démarre avec le repas, le linge. Et effectivement, ça, c'est des choses qui sont mises dans la tête très jeune, des mamans aussi qui montrent ça encore parfois, tout ce travail, et donc les enfants voient leur maman faire tout ça, et après c'est répercuté plus tard, plus grand. Donc effectivement, dès tout petit, il faut qu'à la maison, ce soit fait par les deux parents. Parce que les femmes aujourd'hui travaillent à égal que les hommes, elles travaillent autant avec des journées aussi conséquentes. Les hommes doivent aussi prendre part à ce combat-là, et c'est très important, autant que les femmes. Oui, je voulais dire qu'on dit que l'éducation joue beaucoup, genre soit la société de consommation joue parce qu'une femme aura comme jouer une poupée ou de la dinette, et un homme aura des petits bonhommes pour faire la guerre ou des voitures, etc. Donc, c'est même plus que l'éducation qu'il faudrait reprendre, entre guillemets. Société de consommation, le but, c'est quand même de vendre toujours davantage et de se faire de plus en plus de fric. Donc, ce qu'ils ont inventé, c'est par exemple les couleurs bleu et rose. Ça, c'est super pratique parce que du coup, quand on a un petit garçon et une petite fille, le garçon va lui acheter un vélo bleu. Et au lieu de leur filer après à sa petite sœur, quand elle va être en âge de faire elle aussi du vélo, bah, la petite sœur va dire bah, « Non, il est bleu, hein, moi, il me faut un vélo rose. » Donc, paf, on va aller acheter un autre vélo. Quoi. Mais ça vaut aussi pour plein d'autres produits. Hein. C'est comme les shampoings, par exemple. Ils nous inventent des shampoings pour les cheveux blonds, les cheveux bruns, les cheveux machins. Tout ça, c'est fait pour vous acheter. C'est pareil, hein, c'est des mêmes trucs dedans. Mais il faut aussi se dire que quand on dit le mot société, société, c'est qui la société ? C'est vous la société, c'est nous la société. Donc on n'est pas obligé de suivre bêtement ce qu'on nous dit de faire. Acheter un vélo bleu, t'en achèteras qu'un. C'est pas parce qu'il est en rayon qu'il faut aller vers ça. C'est comme la dinette. Au contraire, ça fait partie aussi de nos petits combats du quotidien, de se dire non, bah justement, c'est une fille, je vais plutôt lui acheter un camion parce que moi j'aime les camions. Et un garçon, bah, ça ne veut pas dire que je vais acheter obligatoirement une poupée au garçon, mais en tout cas, je vais acheter en fonction de ce qui plaît à l'enfant. C'est un enfant d'abord. Et quand on va dans les magasins de jouets, la première question, c'est un cadeau, d'accord, pour un garçon ou pour une fille? Et là aussi, il faut dire, c'est pour un enfant. Nous, les femmes, on est dans la société, on est toujours désignées comme une provocatrice envers les hommes. Et c'est nous qui sommes victimes. Un homme, il va venir, on va porter une jupe courte, par exemple. Il va nous voir, exemple, la dame, je ne sais pas comment vous l'appelez, je ne sais pas du tout. J'étais là, à jupe courte. Certains garçons ont réagi. Et pourtant, votre collègue, le monsieur, il était là. Tout comme ça, normal. Personne n'a réagi. Et dès que vous avez fait ça, et les mecs, ils ont cru que c'est vous, la victime, en fait, c'est vous, les chercher. Et pourquoi nous, on est là? C'est ça, fait le harcèlement de rue, ce qu'on disait exactement. Et maintenant, il faut aller le dire à la police quand on est harcelé dans la rue. Il faut le dire à chaque fois parce que ce n'est pas normal. En vous remerciant beaucoup de votre participation, merci. Merci d'avoir débattu. Et j'espère que tout ça, bah, c'est dans vos esprits maintenant. J'ai la chance de piloter ce projet sur les journées des droits des femmes. Ça fait plusieurs années.
que ce projet est en place. Alors, au départ, à l'origine, c'est parti d'un travail sur les deux centres sociaux où chaque référent de famille travaillait sur le statut de la femme, l'égalité, et elle mettait en place des animations au sein même des centres sociaux. À force de travailler là-dessus, on s'est aperçu quand même que ce n'était pas la seule problématique des femmes des quartiers prioritaires, mais qu'on était bien dans une réelle problématique du statut de la femme en général. C'est quoi l'égalité dans notre société aujourd'hui? Comment est-ce qu'une femme peut prendre une place, qu'elle vienne d'un quartier ou pas, qu'elle soit d'une famille, d'une catégorie sociale élevée ou pas? Comment à un moment donné on peut trouver sa place, prendre sa place? Donc de là, la ville a décidé de faire plutôt une action qui soit de dimension locale, au niveau de la ville. Donc on m'a demandé de piloter ce projet, moi j'en étais contente parce que avec les équipes des deux centres sociaux, on s'entendait déjà très bien là-dessus et on voulait aussi renforcer avec la présence des autres services de la ville et des partenaires institutionnels ou associatifs pour travailler aussi là-dessus. Donc on a commencé à monter ça depuis, allez, j'ai bien envie de dire qu'il est devenu un projet ville depuis 8 ans à peu près. On a les mêmes objectifs, hein. L'idée c'est de lutter contre toute forme de stéréotypes et puis travailler et prévenir et renforcer l'idée que dans notre société, l'égalité homme-femme, elle est essentielle. Et malheureusement, ce n'est pas le cas dans la réalité de tous les jours. Dans notre travail autour de la lutte contre les stéréotypes, on veut, nous, depuis quelques années, travailler avec toutes les tranches d'âge. C'est-à-dire que dorénavant, dans notre programmation, on a une action en direction des petits, des gamins de l'école primaire. On s'adresse aussi aux collégiens, aux lycéens. Les lycéens qui sont d'ailleurs de plus en plus réceptifs et sensibles à ces actions, qui sont présents avec nous maintenant depuis 4-5 ans. Et l'idée, c'est chaque année de pouvoir travailler avec ces publics-là, parce que c'est des adultes de demain. Moi, étant jeune fille, je n'ai pas subi ce que ces jeunes filles subissent aujourd'hui sur les réseaux sociaux, leur place, leur droit de s'habiller comme elles le veulent, le droit de faire des choix, d'aimer un homme ou d'aimer une femme. Enfin, aujourd'hui, on a l'impression que tout est cadré et qu'il y a de la violence quand on est un peu différent, quand on fait d'autres choix. Voilà, moi, c'est le sentiment que j'ai pour ces jeunes filles. Alors, ce qui m'a fait plaisir hier, c'est de me rendre compte quand même que dans certains établissements scolaires, il y a des jeunes filles qui travaillent sur ces questions-là et puis qui prennent la parole hier au micro et qui disent « Non, moi je veux porter ma petite jupe et je veux pas qu'on me traite de pute parce que je porte une jupe. Et moi, je veux que mon mari soit mon égal, pas que moi je sois son égal. » Enfin voilà. Donc aujourd'hui, on se dit qu'il y a quand même encore de la parole et que ces jeunes filles prennent la parole. Mais effectivement, je considère que c'est sans doute un peu plus dur pour elles. Plus les messages seront fréquents et pourront sensibiliser le plus grand nombre, plus peut-être on dira qu'on aura gagné quelque part, quoi. Mais voilà, c'est ne jamais s'arrêter dans la lutte. Ouais. Reprenez vos places maintenant. Allez, on reprend. La route est très longue, madame. Vous êtes tous les jours en retard. J'ai d'autres profs à aller chercher. La prochaine fois, je ne vous attendrai pas. Ma mère n'est pas en retard. Vous attendez près 5 minutes à peine. Et de quoi je m'en mêle? Je ne parle pas à une enfant, moi. Je ne parle qu'à ta mère. Ne réponds pas. Elle est toujours en retard. Une pub pour de la mousse à raser ou quoi? Hey, tu sais, elle est vraie. C'est une vraie moustache. Un faucon pourrait s'y poser. Tu mets ça même carrément en avion. Merci pour le petit-déj. Thank you.
Wajda. Tu sais, je voudrais t'épouser plus tard. Est-ce que vous avez compris l'histoire? Parce qu'il y avait peut-être des choses qui étaient un peu difficiles à comprendre. Alors, vous êtes dans un pays particulier, hein, c'est l'Arabie Saoudite, avec une organisation de vie particulière, vous avez vu. Hein, donc, on différencie bien les femmes et les hommes. Donc, et puis, la règle de ne pas mélanger les hommes et les femmes. Hein. Donc, il y a beaucoup de messages dans ce film. Hein. Alors, est-ce qu'il y a quelqu'un qui voudrait réagir ou... Quand ils sont, on va dire, à l'âge de 14 ans... Ah, bonne question, ça vient de... Très bonne question. Pourquoi ils sont obligés de se marier très jeunes? Parce qu'on voit une petite fille dans le film, un moment, qui est déjà mariée avec un jeune homme. Alors, pareil... c'est une coutume, pareil. On marie les jeunes filles très, très jeunes. Quand il a donné la manger. Il a donné à manger, c'est ça? Oui. Alors, c'est ce que j'expliquais tout à l'heure. Dans ce pays, donc l'Arabie Saoudite, les hommes et les femmes ne se mélangent pas. Donc, ils ne peuvent pas. Une femme ne doit pas être à la vue d'autres hommes. Donc, le mari recevait, je pense, des amis. Donc, elle a préparé à manger. Et pour pas qu'elle soit vue par les hommes, elle a posé le plat devant l'entrée du salon. Elle a frappé. Et ensuite, s'il est venu chercher le mari, le plat pour servir aux hommes. Mais pourquoi elle a le droit de voir son mari et pas les autres? Alors, une femme mariée peut voir son mari et peut être découverte, puisque quand elle sort, tu vois, elle se cache tout le temps. Donc, dans la maison, sans présence d'autres personnes étrangères, elle peut être découverte et être à la vue de son mari. Par contre, dès qu'elle sort, elle est obligée de se voiler, de se cacher le visage. La règle fait que les femmes doivent être très discrètes en Arabie Saoudite. Donc, même pour circuler dans le pays, elles ne peuvent pas circuler comme elles veulent. Elles doivent avoir l'autorisation soit de leur mari, de leur père, puisqu'à un moment, on a la jeune fille qui veut sortir de l'école et qui donne une fausse lettre à Wajda pour qu'elle la donne à son petit ami pour qu'il fasse croire que c'est son frère pour qu'elle puisse sortir du lycée, enfin du collège. Voilà. Pourquoi on a mis ce film et pas un autre? Alors pourquoi on a mis ce film et pas un autre? Alors on essaie d'avoir un message dans les films qu'on diffuse à chaque fois. L'an dernier, je ne sais pas si vous étiez venu, c'était Joula avec Beckham, Joula comme Beckham. Donc c'était une jeune fille qui aimait le football, une jeune fille d'origine indienne, et sa famille ne voulait pas qu'elle joue au foot parce que c'était mal vu dans la... et que... voilà. Donc on veut montrer à chaque fois le combat de jeunes femmes, de jeunes filles qui vont à l'encontre, qui brisent les règles établies, qui souhaitent briser les règles établies pour poursuivre leurs rêves, et parce que les filles et les femmes ont droit d'avoir les mêmes rêves que les garçons, si elles ont envie de jouer au foot, si elles ont envie de faire du vélo, si elles ont envie de faire un métier que les hommes font. Donc c'est ce message qu'on essaie de passer à chaque fois quand on projette un film. Donc cette année, on a trouvé ce film qui est très fort, hein, qui est plein de messages, pareil, dans une société très dure, hein, en plus. Allez, une dernière petite intervention. Quelqu'un qui n'a pas pris la parole? Pourquoi est-ce qu'il disait que quand on faisait du vélo, on n'avait pas d'enfants? Alors pourquoi quand on fait du vélo on ne peut pas avoir d'enfant? C'est comment on appelle ça voilà, pour dire qu'il ne faut pas le faire sans raison, sans argument, parce que c'est mal vu, parce que c'est pas bien, parce que ça... Mais en réalité non, ça n'empêche pas de ne pas avoir d'enfant. Une fille peut faire du vélo comme un garçon normalement. Voilà. Pourquoi les femmes dans le film, enfin dans leur pays, ils sont un peu inférieurs aux hommes? Alors ça va être pourquoi les filles et les femmes sont inférieures aux hommes dans ce pays? Effectivement, la femme est inférieure à l'homme. C'est
considérer, non mais dans la question c'est oui. Ça, mais en fait les messages qui sont passés là dans ce film et dans plein d'autres films que vous avez peut-être déjà vus, l'idée justement c'est de dire c'est pas vrai ça. Enfin, le principe n'est pas qu'il y ait quelqu'un qui puisse être supérieur à l'autre. Vous êtes là aujourd'hui parce que ce film peut vous intéresser et le message qui est important c'est de se dire, ben, outre les obligations, les interdictions qui ne sont pas toujours justes et justifiées, l'intérêt, c'est qu'une petite fille vaut un petit garçon, une femme vaut un homme, et quoi que l'on fasse, en fait, c'est ça qui est intéressant de retenir, peut-être, et c'est peut-être ça que vous avez intérêt à discuter ensemble, entre camarades, avec vos parents, pour que justement tout le monde comprenne bien que l'idée est bien qu'un garçon est égal à une fille, qu'une femme est égale à un homme, et tout simplement, voilà. Il n'y a pas d'infériorité, supériorité, même si plein de choses autour de nous nous obligent à croire que oui, c'est un peu différent. Mais nous, on va se dire que non, justement. Et on va lutter un petit peu pour ça. D'accord ? Ça roule ? Ouachda, qui est une belle représentation. Alors, en dehors de l'approche autour de la religion, ou même d'une quelconque communauté, l'intérêt, c'était de se dire, une petite fille a lutté, s'est battue contre les institutions, l'école, contre la famille, la maman qui est à la fois douce et à la fois sécurisante pour l'avenir de sa fille, mais en même temps qui est bloquée par ces contraintes de tradition et de culture qu'elles ont, et ben cette petite, elle a quand même réussi à lutter avec son petit copain, avec un petit copain qui l'a aidée, elle a réussi à obtenir ce qu'elle voulait, un droit pour une petite fille d'avoir un vélo, enfin c'est fou. Alors, ça fait appel à plein d'autres choses. Mais rien que ça, c'est une lutte et elle a gagné. Et ça, voilà, à la fin, on la voit aller avec son vélo sur la route, comme ça, on se dit, ça y est, c'est son avenir. Thank you.